夢を聞いたの。夢？人がいっぱい死んで、私たちは。あの力には触れてはならんのかもしれんな。David. Mais où sommes-nous ? Nous sommes chez moi. Non, mais tu m'as emmené, tu m'as drogué ? Non, je t'ai kidnappé, mais c'était l'occasion de... Mais pourquoi sommes-nous chez toi ? Nous ne sommes pas dans mon lieu favori, la médiathèque de Vassé. Mais que se passe-t-il, Maxime ? Eh bien, nous sommes là pour vous présenter, en fait, dans un cadre confortable et convivial. Et convivial, surtout ! Eh bien, pour proposer, en un petit teaser... au sein du réseau de la médiathèque de Lille, une petite conférence. Non, mais laquelle ? De quel sujet s'agira-t-il ? Eh bien, nous allons parler, dans la joie et la bonne humeur, du manga. Et en particulier, le manga pour adultes. Mais qu'est-ce donc le manga adulte ? Vaste questionnement que le manga pour adultes. Les mangas, pour moi, c'est un peu une passion. Depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai vraiment baigné dedans, à l'époque du Club Dorothée, Récréa 2, et aussi avec les premiers mangas qui sont apparus à l'époque, les Casterman, je pense également à Akira, L'Habitant de l'Infini, de Samura, je pense également à Astro le Petit Robot, d'Osamu Tezuka, et à fur et à mesure, je suis venu à apprécier le manga dans des formes un peu plus trash et beaucoup plus adultes. Qui s'est bien sûr plus généralisé au sein donc, de la littérature, qu'on peut trouver en bibliothèque, qu'on peut trouver en médiathèque, qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin. Et je voulais justement animer quelque chose sur le manga un peu hors norme, qui sort un peu des sentiers battus et qui soit un peu plus explicite. Nous allons en effet évoquer des tabous, le sexe, la violence, l'horreur. Mais aussi des tabous sociétaux et politiques. Moi, wa mou shindeiru. Nani ? Il y aura de la transgression, mais le but ne sera certainement pas de choquer pour choquer, mais de décrire un état des lieux d'une culture parfois différente de la nôtre, de tabous qui sont parfois les nôtres, mais pas ceux du Japon, bref, d'un choc de culture. Donc venez dans un esprit de découverte, ayez confiance en ce jeune homme imberbe qui est un fidèle parmi les fidèles du Cri du Peuple, qui venait régulièrement en tant que spectateur et qui là sera vraiment le maître de cérémonie avec mon aide et l'aide de la généreuse Loti, et nous défendrons et nous débattrons. Donc venez nombreux. Venez nombreux et nombreux, c'est vous qui ferez l'intérêt et l'intensité de ce débat-conférence par des échanges. Vendredi 12 janvier 18h30 à l'appartement de Maxime. Non, ce sera la médiathèque de Wazem. Waouh, quelle chance. Et pourtant, ouais. Il est beau son appartement. Il invitera les gens qu'il trouvera sympathiques à voir un thé, peut-être. À bientôt, les amis, pour d'autres aventures. À bientôt. Vendredi 12, 18h30, à la médiathèque.